Salut à tous et bienvenue dans ce 10e épisode de News Report. Et oui, c'est déjà la 10e émission de la saison. Au sommaire, aujourd'hui, découverte d'un crossover rival du Renault Captur. Je parle bien évidemment du Peugeot 2008. Donc voici la présentation de ce véhicule tout de suite dans News Report. Donc, à quoi ressemble le Peugeot 2008 ? Eh bien, le Peugeot 2008, c'est tout simplement la variante crossover de la Peugeot 208. Comme vous voyez actuellement, les feux avant sont d'une forme assez inédite hein, sur un crossover, hein, très bien travaillé. On retrouve la calandre Peugeot, hein, comme d'habitude, hein, la nouvelle calandre flottante depuis la 508, hein, qui existe depuis 2011. Question profil. Eh bien, c'est un profil de crossover, de SUV, mais je ne sais pas si vous le voyez bien, le toit est légèrement surélevé vers la partie arrière du véhicule. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est un signe, hein, ça faisait partie des concepts car, eh bien, Peugeot s'est dit, pourquoi pas garder ce signe distinctif. Question feu arrière, maintenant, eh bien, les feux arrière du Peugeot 2008, ils sont en forme de griffes, hein, voilà, donc des feux arrière assez bien faits en forme de griffe, vous savez, c'est vraiment le nouveau signe distinctif de toutes les Peugeot maintenant. Les feux doivent être en forme de griffe, voilà, donc pour que ce soit un petit peu plus joli. L'intérieur, à quoi il ressemble? Eh bien, l'intérieur, c'est tout simplement celui de la Peugeot 208 avec quelques petits aménagements. Alors, c'est plutôt le point négatif du Peugeot, du Peugeot 2008. Pourquoi? Et parce que le Peugeot 2008, on aurait aimé qu'on ait un intérieur spécifique comme Renault fait avec le Captur. Dommage donc, ça aurait été mieux, mais bon, il manquait, je pense, un petit peu de budget ou peut-être un petit peu de créativité. Donc on retrouve le fameux petit volant hein, qui a fait polémique sur la 208 et qui fera polémique sur le Peugeot 2008. On retrouve donc aussi les compteurs qui sont en vision tête haute. On retrouve aussi la tablette hein, qui est au centre du véhicule, voilà, où vous pouvez tout contrôler, tout comme le Renault AirLink. Donc voilà, et sinon quelques petits changements, hein, les pédaliers, on retrouve, et surtout le revêtement hein, de la planche de bord qui adopte différents matériaux différents de ceux de la 208. Le Peugeot 2008 est désormais lancé, lancé oui et non, hein, il sera lancé mi-mai. Mais vous pouvez déjà le commander, bien évidemment. Le tarif de base s'affiche sur votre écran. Je vous remercie d'avoir regardé News Report. On se retrouve demain pour une toute nouvelle émission avec une auto pas comme les autres. Enfin, si, une auto comme les autres, mais laquelle, pour une fois, je vous ne le dis pas. On se retrouve demain, mardi 30 avril 2013. Merci et à demain pour un nouveau News Report, le 11e épisode de la saison. Merci et à demain. Ciao.